Cher monsieur le duc, monsieur Milan Kymlička m'a informé de votre intention d'enregistrer 75 minutes de musique originale avec un orchestre d'une centaine de musiciens et un chœur de 60 à 70 voix. Cet enregistrement pourrait se concrétiser en fonction des conditions suivantes. Cher monsieur Philippe Leduc, voici la confirmation de votre session. L'enregistrement aura lieu au Rudolfinum à Prague. L'horaire se présente comme suit. Chers amis musiciens et techniciens, les demandes suivantes n'ont pour but que de nous faciliter l'enregistrement et de vous alléger la tâche. Dans tous les cas, je considérerai votre expérience comme inestimable. Alors, si vous croyez que quelque chose peut être amélioré artistiquement ou techniquement, surtout n'hésitez pas à le mentionner. Il y a aussi des questions que je me pose en vue de la session. Par exemple, quelle est la longueur du temps de réverbération de la pièce où nous enregistrerons? Étant donné que je recherche une acoustique type cathédrale dans les pièces suivantes, No Passaran, Madrid Adagio, Stabat Mater 37, Das Reich, Once Upon a Time in Cornwall et Zwei Kriege, y a-t-il une unité de réverbération numérique, par exemple un lexicon 480, qui pourrait nous permettre cette mise en scène acoustique? Si ce maquillage électronique est contraire à vos standards techniques, pouvons-nous modifier la réverbération par une astucieuse disposition des micros? Faites-moi savoir votre avis. Les ailes du feu, c'est une histoire que j'ai imaginée, qui se déroule dans l'entre-deux-guerres et que je raconte mot à mot dans un livre, mais que j'illustre par cette suite symphonique. J'avais probablement deux volontés profondes dans cette musique, c'est-à-dire exprimer des émotions que les mots ne savent pas vraiment traduire, et aussi de pouvoir camper les grands événements spectaculaires de l'entre-deux-guerres. Not forte, forte. On enregistre The Red Baron Flying Circus. L'idée de mettre en musique une histoire m'est venue il y a fort longtemps. J'étais avec ma femme en France et on remontait vers les côtes de Normandie. À un moment donné, je vois un signe, Utah Beach. On s'avance près de la plage et je vois un tank, un char d'assaut américain, Sherman,
qui était là pour commémorer l'arrivée des troupes américaines le matin du 6 juin 1944. J'ai eu une très curieuse réaction. Je me suis mis à pleurer. J'étais inconsolable. Je suis rentré comme dans un état second. Et j'ai comme l'intuition d'avoir vécu ou d'avoir connu cette plage-là. Et l'idée d'écrire un roman sur ce thème vient sûrement d'une réminiscence que moi je possède au plus profond de moi-même au sujet de cette guerre, au sujet des souffrances que les gens ont connues à ce moment-là. La sangre de pueblo ha corrido en el surco de la esperanza donde L'interprétation d'Elisabeth Grediaga dans Nos Passarans est d'une authenticité rare, mais c'est une authenticité génétique. Son père est un madrilène pur, de souche. Sa mère est une chanteuse d'opéra. Et la synthèse génétique de tout ça, Elisabeth, nous a livré le drame, la fougue, même les mimiques. Elle nous a recréé ça avec énormément de naturel et d'aplomb. La guerre civile espagnole n'était que le prélude à toutes les horreurs qui allaient s'abattre sur le monde pendant la Deuxième Guerre mondiale. Nos Passarans traduit les aspirations qui animaient alors les masses populaires espagnoles, renforcées par les nombreux contingents de volontaires enflammés par leur idéal politique et social.